Quand je me suis installé à Paris, j'ai été suivi par le Club Arim, des formations pour personnes souffrant de troubles psychiques. Alors, il y avait un atelier gestion du stress, un autre que j'ai fait également estime de soi. Ça m'a un peu aidé à reprendre confiance en moi. C'était assez compliqué parce qu'il y a eu plein de tests avant de faire des formations, toute une batterie de tests. Voilà, des tests un petit peu sur l'intelligence, sur la concentration. Enfin voilà, des tests un petit peu difficiles à réaliser. Grâce aux formations, oui. Dès que j'ai fini les tests, ça m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai vu sur Internet qu'il y avait un recrutement sans concours pour personnes travailleurs handicapées. Et comme j'avais la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, j'ai tenté ma chance. C'était en 2008. Et ils m'ont pas pris tout de suite parce que il y avait une certaine quantité de postes, pas énormément, mais j'étais premier sur liste complémentaire. Donc ils m'ont embauché directement le 1er octobre 2008. Les lecteurs me connaissent beaucoup, donc voilà, c'est comme si je servais des personnes que je connais alors que je ne sais rien de leur vie, mais voilà, je connais pratiquement tous les lecteurs habitués à la Salvée. C'est une très, très grande joie pour moi de servir les lecteurs, pas seulement ceux que je connais, mais voilà.